Bon, on traverse une période un peu trouble, hein, on se plaint, mais il y a quand même des avantages, il y a quand même un côté positif. L'avantage de cette année 2020, c'est que les fêtes de fin d'année, eh ben, elles vont pas nous coûter cher. Bah, alors, à Noël, on va pas pouvoir inviter à la maison les gens, la famille, donc pas de repas familial, les crevettes, le champagne, le caviar, le foie gras, tout le tintouin, quoi. Pas de teuf le 31 en soir, hein, bah quand même, hein. Donc non, mais cette année, on va faire des super économies. Eh, elle est pas belle la vie. Ah bah ça nous changera un peu cette année. Ce sera pour la soirée du 24 au 25 et du 31 au 1er, une petite boîte de pâté de chez Franprix, un petit cubi de rouge, une petite série sur Netflix, une tisane et au lit. 2020, quoi. Quant au père machin, là, le vieux, là. Bonjour les petits enfants. Père Noël, vu son âge, voudrait peut-être mieux qu'il reste dans son bled, hein, en confinement. Non, parce que là, cette fois, on va le perdre complètement, lui, hein. Déjà qu'il est pas...